Bonjour à tous, bienvenue à la quatrième séance de la série No Talks pour 2023 en direct du Salon du Livre d'Abu Dhabi. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous avons avec nous Jérôme Viriciel, directeur général de Recap by Veolia, qui va nous donner son point de vue en ce qui concerne l'économie circulaire, les méthodes recyclaires, les différents matériaux recyclés, le rôle du consommateur et des politiques ainsi que de réglementation pour promouvoir un comportement durable. Avant de vous donner la parole, Jérôme, je rappelle à notre public de bien vouloir interagir avec nous à travers des questions et des expériences partagées dans le Q&A sur Zoom. Je vous donne la parole et après, nous prenons les questions de notre cher public. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérôme Viriciel, je suis directeur général de Recap by Veolia et j'aimerais vous dire que Recap est en fait une société, une entreprise de recyclage dans le monde. Nous sommes un leader dans ce domaine dans le monde. Et nous recyclons différents genres de matériel ou de matériaux. Aujourd'hui, nous souhaitons nous concentrer surtout sur le plastique parce que ma mission chez Veolia est en fait de collecter le plus grand volume de plastique, de matériaux en plastique, de bouteilles en plastique et donc tous les produits en plastique que nous retrouvons chez nous à domicile. Cette séance est intitulée Des déchets vers la richesse. Et c'est très important parce que dans la région, dans les pays de la coopération du Golfe, nous considérons en fait que les déchets, nous dévalorisons les déchets qui en fait peuvent être une richesse si nous profitons au mieux de ces déchets, puisque avant de devenir des déchets, ce sont des déchets que nous achetons de chez les détaillants et que nous consommons jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à la fin de leur cycle. En fait, ces produits pourraient avoir un autre cycle, une autre vie. Donc, profiter du potentiel du recyclage veut dire comment pouvons-nous recycler davantage et comment cela est-il possible dans la région où nous travaillons. Donc, j'aimerais vous rappeler quelques informations et quelques données qui sont importantes. Recap by Veolia a été établi en tant que projet pilote il y a 2 ans pour voir comment nous pouvons engager les communautés à recycler davantage. Et malheureusement, nous constatons que 2,1 kg de déchets solides sont produits au quotidien par tête d'habitant. En ce qui concerne les bouteilles en plastique, nous consommons plus de 450 bouteilles par habitant par an. Et donc, si vous considérez, en fait, le nombre de la population, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que 15% des bouteilles en plastique consommées sont recyclées. Seulement 15%. Donc, c'est très peu et nous pouvons faire davantage parce qu'il est très facile de recycler les bouteilles en plastique. Donc, j'aimerais dire qu'il est crucial aujourd'hui de sensibiliser davantage toute la communauté, nous-mêmes en tant qu'individus, chez nous, à la maison, avec notre famille, nos enfants, mais également dans d'autres communautés, d'autres environnements, tels qu'au travail, à l'école. Quant à l'importance du recyclage, donc, il est très important de sensibiliser les gens à la possibilité du recyclage, qui n'est pas très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faudra améliorer le tri à la source pour pouvoir avoir accès à ces matériaux que nous pouvons réutiliser. Et à travers ce tri, nous facilitons le processus de recyclage et nous pourrons boucler la boucle et avoir un système de circuit fermé. Donc, aux Émirats arabes unis, où je me trouve depuis 10 ans, nous souhaitons recycler davantage. Et l'objectif du gouvernement est en fait de dévier 75% des déchets, des décharges
Et c'est ce que nous pouvons faire de chez nous, à la maison, lorsque nous retrouvons à la cuisine ou partout. Il y a beaucoup de matériaux en plastique que nous pouvons collecter, sans oublier le carton, le papier, les cartes, le métal, et les boîtes de conserve en aluminium. Tous ces produits peuvent être recyclés. Pourquoi devons-nous recycler? Tout d'abord, pour économiser de l'énergie. Et cela est très important. Il faut savoir que lorsque nous recyclons des produits, cela va émettre moins d'énergie que des produits vierges que nous produisons. La deuxième raison est également simple. Nous devons conserver nos ressources. Donc, en extrayant en fait tous ces matériaux, et si nous n'extrayons pas ces matériaux, si nous ne les recyclons pas, nous manquerons de ressources. Ces ressources vont s'épuiser. Et enfin, la pollution, prévenir de la pollution, parce que dépendamment de la région et des pays, nous pouvons dire que la plupart des pays de la coopération du Golfe ont des décharges, des dépotoirs où ils déversent tous les déchets. Cela veut dire qu'ils déversent tous les déchets dans un même endroit et malheureusement, différents produits chimiques peuvent s'écouler. Il peut y avoir également une infiltration, un écoulement de liquides, de gaz qui peuvent nuire au sol, à la terre. Cela dit, quels sont les défis pour boucler donc cette boucle, pour créer un système de circuit fermé en matière de recyclage? Tout d'abord, tous les pays ont besoin de réglementation et les gouvernements sont en fait les preneurs de décision, les décideurs en la matière. Donc, il faut avoir les politiques nécessaires pour passer à une économie circulaire. C'est en fait le plan établi aux Émirats arabes unis, parce qu'il y a quelques mois, un plan du genre a été établi et ces politiques permettront à toutes les compagnies de gestion de déchets, mais également tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'emballage, l'utilisation, la vente des emballages, la collecte des emballages, d'être plus efficaces et de faire en sorte que les produits ne sont pas jetés dans les dépotoirs, mais qu'ils soient plutôt recyclés. Donc, dans ce processus de recyclage, il est possible d'avoir des produits post-consommés seulement si nous avons les réglementations nécessaires. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte que les gens sont sensibilisés à cela. Et c'est le point d'entrée pour moi, c'est le principal défi, comme je l'ai dit au début. Et grâce aux réglementations, grâce à la sensibilisation des gens, il nous restera un défi supplémentaire, à savoir faire face à tous les défis de manière homogène entre tous les acteurs, ce qui veut dire que nous devons unir nos efforts à travers la responsabilité élargie du producteur, EPR. C'est un système qui permet d'avoir davantage de flux liquides ou de liquidités pour soutenir nos initiatives dans les différents pays en vue de garantir davantage de recyclage. Comme je l'ai dit, par exemple, aux Émirats arabes unis, et en fait, cette diapo nous montre comment aux Émirats arabes unis, en juillet 2022, 22 politiques ont été adoptées par le ministère de l'Environnement en vue d'établir également des normes permettant de montrer comment réutiliser le contenu en plastique recyclé, en particulier lorsque nous voulons surcycler en fait ces produits. La responsabilité élargie du producteur est en train d'être examinée, testée, on y réfléchit pour
voir s'il est possible de répliquer ce genre de responsabilité élargie du producteur en 2026. Et le tri à la source est très important et nous voulons permettre de promouvoir ce système de tri. Dans la plupart de la région, vous trouverez par exemple une corbeille ou une poubelle en face de chez vous. Mais également, nous pouvons trier en vue du recyclage. Donc, cela est possible, mais vous ne remarquez pas cela. Donc, lorsque nous parlons de tri à la source, nous essayons de voir comment il est possible de recycler tous ensemble en ayant confiance dans le système entre chaque émirat et l'autre, et pour faire en sorte que les réglementations de transport du matériel soient disponibles pour faciliter le recyclage du matériel, nous avons établi des mesures. Par exemple, j'achète une bouteille en plastique d'Abu Dhabi. Supposons que nous n'avons pas d'installation de recyclage là-bas. Et la plus proche se trouve à Ras Al Khaimah. Je dois être capable de transporter ces produits d'un émirat à l'autre. Par exemple, pour ce qui est de l'aluminium, nous n'avons pas d'installation de recyclage d'aluminium, mais il en existe une en Arabie Saoudite. Donc, nous devons être capables de collecter ces matériaux ici et de les transporter directement vers l'installation Évidemment, il y a différents intermédiaires, le prix augmente et en fin de compte, le processus de recyclage est très cher. Et qu'est-ce qui se passe? Les compagnies d'emballage ne peuvent pas se permettre de payer le matériel Donc, nous utilisons ce matériel recyclé pour produire de nouvelles boîtes en conserve en aluminium. Et c'est le processus que nous avons adopté pour faciliter cette tâche. Je parlais en fait du contrôle des échanges, le contrôle commercial qui est très important pour réduire les coûts faramineux. Mais lorsque nous parlons de réglementation, il faut se poser la question de savoir si les gens sont disposés ou non à recycler. À Veolia, nous avons effectué une étude sur plus de 25 000 personnes dans la région qui ont été choisies de manière aléatoire. 69% pensent qu'il faudra changer notre manière de vivre. Nous devons consommer de manière plus durable. 70% sont sûrs que les effets du changement du dérèglement climatique et de la pollution seront beaucoup plus importants que les investissements pour parvenir à une transformation écologique. Autrement dit, il faudra agir de manière beaucoup plus durable dans la région. Ils sont prêts à acheter des paquets alimentaires avec un contenu ou des emballages recyclés. Ils sont également à acheter du métal recyclé. Ils sont prêts à accepter qu'il y ait des installations de recyclage dans le quartier où ils habitent. Et c'est 69% des interrogés qui ont répondu ainsi, et 68% sont prêts à acheter une voiture, un autre moyen de transport fabriqué en partie à partir de matériaux recyclés, et 66% sont prêts à payer un peu plus pour que les produits du quotidien soient recyclés. Donc, les gens sont prêts, mais pourquoi est-ce que ces solutions ne fonctionnent pas aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'économie circulaire. Nous sommes dans une économie linéaire aujourd'hui, non pas dans une économie circulaire. Donc, nous devons à alimenter un système qui transforme les déchets en ressources. Autrement dit, nous avons besoin de plus d'installations de recyclage pour les différents genres de produits, pour favoriser, pour valoriser la chaîne de valeur locale qui se trouve à son minimum aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, le matériel peut voyager du pays pour être recyclé ailleurs.
Et cela peut créer des emplois dans le domaine de l'environnement, du recyclage, en invitant les investisseurs à créer d'autres installations de recyclage. Mais ces investisseurs ont besoin d'engagement de la part de l'ensemble du système. Et pour gérer une installation ou une entreprise de recyclage, vous n'avez pas besoin d'un consommateur qui est prêt à payer pour les produits recyclés à la fin, parce que c'est une tendance. Chacun veut en fait des produits ou des contenus recyclés. Par exemple, une compagnie comme Axia, comme ou autre, au cours du dernier événement qui s'est tenu au golf, le Golf Food, ils ont en fait lancé des bouteilles recyclées, parce qu'ils comprenaient l'importance de cela. Donc, il n'est pas difficile de trouver un consommateur qui accepte ces produits recyclés, mais ce qui est difficile à trouver, ce sont les matières premières, les matières de base. Si je n'ai pas suffisamment de matières de base, parce que ces matières de base finissent à la poubelle ou dans les décharges ou qui sont déversées dans le désert ou dans les océans, vous n'aurez pas accès à ces matières premières et vous ne pourrez pas gérer ou opérer votre entreprise. Vous ne serez pas suffisamment viable financièrement pour tenir le coup et vous ne pourrez pas encourager les investisseurs à venir dans la région pour que vous puissiez profiter de leur savoir et de leur argent au sein de l'économie locale. Créer une économie circulaire a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, cela peut satisfaire en fait les objectifs des différents pays dans le Golfe, mais également aux Émirats arabes unis. Par exemple, si vous utilisez 50% de bouteilles en eau, en rPET, vous éviterez 50 kilotonnes d'émissions de CO2, de dioxyde de carbone, et donc l'impact est énorme. Et nous nous retrouvons également dans une région où l'économie prime. Donc, parlons en termes d'économie. 1,2 milliards de dirhams par an de valeur potentielle sera créée aux Émirats arabes unis en recyclant correctement les plastiques recyclés. Donc, recycler et surcycler est très important pour les produits en plastique. Et il s'agit en fait de produits qui ne sont pas correctement recyclés de nos jours, malheureusement. Que faire pour avoir des matières premières recyclées, pour changer la réglementation, pour encourager la venue des investisseurs et pour pouvoir facilement recycler tout genre de produits, mais non seulement le plastique. Nous devons encourager les gens à recycler davantage et nous devons mettre en place un système de gestion de déchets fiable. Comme vous l'avez dit au début, je suis directeur de RECAP et à Veolia, nous avons décidé de développer une nouvelle spécification, une solution numérique qui nous permette d'arriver aux communautés plus facilement. Que faites-vous au quotidien? Vous ne cessez de regarder votre téléphone mobile, vous utilisez beaucoup d'applications mobiles et vous interagissez avec les compagnies qui ont créé ces applications, qui vous envoient en fait des messages que vous lisez. C'est ce que nous faisons avec l'application mobile RECAP. Nous vous invitons à télécharger notre application et après, nous vous expliquons pourquoi nous avons développé cette application. Le principe est très facile à comprendre. Vous téléchargez l'application, nous vous donnons un sac que vous allez remplir de boîte en aluminium, en plastique et autres. Et une fois que votre sac est plein, vous pressez sur un bouton pour que nous venions collecter en fait ces produits. Nous voulons en fait motiver la population. Nous voulons qu'ils aient confiance en nous. Pourquoi? Parce que nous voulons assurer
les matières nécessaires à utiliser à l'avenir. Donc, si vous nous accordons cette possibilité de recycler de chez vous, à partir de chez vous, gratuitement, et si nous vous encourageons à économiser tout en sauvegardant la planète, vous allez le faire. Il y a 2 ans, lorsque nous avons lancé cette application, il y avait 100 personnes qui l'ont téléchargée. Et en l'espace de 3 mois, nous avons pu récupérer 90 kg de déchets. De nombreuses familles ont téléchargé cette application. Chaque semaine, nous collectons 17 tonnes de déchets. Nous avons été approuvés par le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Nous travaillons étroitement avec les ministères, les municipalités. Nous avons commencé à travailler avec Abu Dhabi et nous cherchons à travailler ensemble pour promouvoir le projet et le mettre à l'échelle pour avoir non seulement 500 personnes qui utilisent l'application, mais 5500 personnes ou utilisateurs. Parce que chacun peut avoir accès à cette application de manière très simple, sans effort. Par exemple, vous prenez votre bouteille de lait, d'eau, de shampoing, de poisson gazeuse, vous les lavez, vous les jetez en fait dans ce sac et nous venons les collecter. Et à la fin, il n'y aura plus de recyclage. Et je vais vous expliquer ce que nous faisons en fait de ces produits recyclés. Vous allez me dire, bon, c'est bon, mais c'est très cher pour nous et nous ne pouvons pas aller partout. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'adopter une solution très bonne pour les pays de la région arabe. Nous avons créé un nouveau système de dépôt des déchets. Pourquoi dans la région n'y a-t-il pas de tel système de dépôt? Par exemple, en France, si je souhaite recycler mes cartons, mes cartes, mes boîtes à conserve, mes matières en plastique, mon journal, je ne peux pas jeter ces produits simplement dans la décharge. Je dois prendre ma voiture, faire des kilomètres et des kilomètres et au lieu, pardon, de conduire des kilomètres et des kilomètres, je dois donc conduire des kilomètres et des kilomètres alors que cela est possible à 1 minute de chez moi, alors que je ne suis pas rémunérée. Donc, nous voulons adopter une approche graduelle, progressive. En fait, ce système a commencé à être mis en place il y a 30 ans en Europe et il y a 5-6 ans seulement ici. Donc, nous allons établir un système de dépôt près de chez vous, à 1 minute de chez vous, par exemple, où vous pouvez déposer vos sacs et être rémunéré, obtenir davantage de points et profiter en fait des récompenses que nous avons mises en place. Quelles sont en fait ces récompenses? Des boissons, de la nourriture, parce que nous voulons avoir un impact. Par exemple, si je suis très riche et je ne vois aucun avantage à obtenir des points, peut-être que les gens qui travaillent chez moi, tels que ma gouvernante ou autres, seront très contents d'obtenir des points convertible en argent pour s'acheter de l'eau, pour s'acheter un gallon d'eau peut-être au lieu des bouteilles parce que c'est plus durable. C'est ce que nous essayons de faire chez Récap pour offrir différentes solutions de recyclage et de tri à la source de produits recyclables par la suite. Cela dit, nous avons commencé ce projet pilote il y a 2 ans. Et pour nous, il n'était pas facile ou possible de recycler les produits en plastique ici aux Émirats Arabes Unis. Mais chez Veolia, nous avons plus de 30 installations de recharge dans le monde et il fallait envoyer 70 tonnes chaque semaine. À l'étranger. Donc, il fallait transporter tous ces ballots, ces balais
et les expédier par bateau ou par avion ou autre. Et nous ne voulions plus faire cela. Donc, nous avons étudié le marché et nous avons essayé de voir quelle compagnie était en charge du recyclage. Et nous avons trouvé, en fait, une compagnie qui se trouvait ici et qui recyclait des produits en oreillers, en coussins et en couettes. Donc, nous avons décidé de travailler avec cette compagnie sans penser uniquement au profit et aux bénéfices. Mais évidemment, nous voulions mettre en place des solutions là où nous nous trouvions. Donc, actuellement, nous travaillons avec les autorités locales, avec des investisseurs privés pour établir une installation de recyclage afin de boucler la boucle. Autrement dit, nous prenons la bouteille, nous trions les produits, parce que la bouteille peut être en HDPE ou en PET. Dans ce cas, nous devons envoyer les produits à différents recycleurs. Nous devons établir une installation de recyclage spécialement pour les produits en PET, pour produire de la résine PET qui sera disponible sur le marché local dans la région pour toutes les marques. Nous parlons de Pepsi, Alemaï Dubaï, Zizé, autant de marques qui ont besoin de résine en PET pour produire de nouvelles bouteilles qui se trouveront sur nos étagères et qui seront achetées par les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites à partir de produits recyclés. Et en fait, comme je l'ai dit, les consommateurs sont prêts à payer un peu plus en contrepartie. Donc, nous avons été en mesure de créer une économie circulaire en bonne et due forme. Et pour cela, il faudra engager les communautés et éduquer les jeunes générations dans les écoles, récompenser les gens pour les comportements efficaces, évidemment, donner ces matières premières recyclées aux fabricants et faire en sorte que les emballages recyclés peuvent être utilisés. Et offrir un nouveau produit à partir de matières recyclées et de la sorte, nous pourrons boucler la boucle. Mais au sein de l'écosystème de l'environnement circulaire, il faudra avoir un gouvernement véritablement engagé. C'est ce que nous essayons de faire chez Recap by Veolia. En conclusion, profiter du potentiel du recyclage n'est possible qu'à travers un bon système de recyclage, évidemment, le décyclage, le surcyclage, le supracyclage existent. Nous avons beaucoup de startups qui viennent dans la région et qui sont vraiment intéressées dans le recyclage afin d'assurer un meilleur avenir pour les générations futures. Donc, elles utilisent des campagnes de sensibilisation, des programmes d'éducation, des innovations, la numérisation, l'intelligence artificielle des systèmes très sophistiqués de gestion des déchets. Mais en fin de compte, le recyclage ne peut être possible que si nous faisons tous des efforts pour recycler à la source. Et s'il n'est pas possible d'arriver à un niveau maximal, au moins arrivons à un niveau optimal. Les matières premières de matériaux recyclables propres sont essentielles pour et ne demandez pas aux recycleurs d'investir si cela n'est pas mis en place. Voici mon message pour aujourd'hui. Nous avons tout d'abord d'être conscients de l'importance du recyclage et nous devons tous ensemble trier nos déchets à la source à partir de chez nous. Par exemple, lorsque nous faisons du sport, nous devons faire en sorte que les bouteilles en plastique ou tout produit recyclable ne se trouvent pas par terre, mais plutôt dans les bonnes décharges de recyclage. Je vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous, Jérôme.
Je vais partager avec vous le QR code pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient le scanner en fait et télécharger cette application. Nous vous encourageons à scanner ce code si vous vous trouvez à Abu Dhabi et à Dubaï parce que récemment, nous avons lancé le même service qui est disponible dans la plupart des régions de Dubaï et Abu Dhabi et nous apprêtons à faire de même dans les autres Émirats avec le soutien du gouvernement. Nous vous encourageons donc à scanner ce code, à télécharger l'application pour vous engager au sein de vos communautés et pour soutenir cette mission. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de questions dans le chat en fait. Première question, vous avez parlé de réglementation mais par la suite vous avez parlé de motivation. Vous avez dit que dans la région arabe, nous sommes toujours à la traîne en termes de recyclage et d'action climatique et autres, mais comment est-ce que ces motivations peuvent être à la hauteur des revenus très élevés dans un pays comme celui-ci ou dans la région? Les motivations sont une première étape. Nous ne motivons pas les gens à recycler pour avoir une récompense simplement. Ce n'est pas normal de faire cela. Il faut les éduquer pour avoir un bon impact social. Mais dans un système approprié, les utilisateurs finaux paieront un petit montant lorsqu'ils achètent n'importe quel genre d'emballage pour soutenir les initiatives lancées ou soutenues par les gouvernements ou par le secteur privé pour encourager à collecter davantage de produits à travers le principe de responsabilité élargie du producteur, où le producteur assume sa responsabilité et les motivations viennent compléter ce principe de responsabilité élargie du producteur parce que cela dépend du niveau de maturité dans le pays où vous vous retrouvez, dans certains pays tels que l'Allemagne, par exemple, en Suède, en Norvège. Vous devez impérativement recycler vos déchets, sinon vous serez sanctionné. Mais dans certains pays tels que la Corée du Sud, le Canada, vous avez également des systèmes de dépôt-retour. Par exemple, lorsque vous achetez une bouteille ou une boîte en aluminium, vous achetez cela non à 2 dirhams, mais à 2,5 dirhams, et vous pouvez récupérer ce 0,5 dirhams si vous recyclez ce produit, si vous l'envoyez pour être recyclé. Ce n'est pas une motivation, mais c'est un effort qu'il faudra faire par le citoyen pour rechercher une décharge de recyclage à proximité de chez vous. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer ce que vous avez payé en plus. C'est un genre de motivation qu'ils ont mis en place. C'est un genre de compensation prix environnement. Et vous avez tout le temps des gens qui n'utilisent pas ce système et vous avez un petit montant en espèces qui est utilisé pour rendre le système beaucoup plus performant. J'ai deux questions concernant la sensibilisation. Tout d'abord, en ce qui concerne l'éducation, quel est le rôle de l'éducation pour la prise de conscience des élèves à l'école et comment pouvons-nous alimenter cette culture dès leur plus tendre âge? Et deuxièmement, en ce qui concerne les gens qui vivent dans les zones rurales, notamment en Afrique du Nord, et comment est-il possible de répliquer ce genre de projet, peut-être à plus faible échelle, pour avoir un bon impact? Il existe différentes solutions. En ce qui concerne la première question sur l'éducation, nous avons décidé de soutenir la municipalité de Dubaï, mais également l'agence de l'environnement à Abu Dhabi, qui ont lancé un programme éducatif, mais ils avaient besoin d'experts pour s'adresser aux élèves, aux étudiants.
C'est un plaisir pour moi d'aller dans une école pour expliquer l'importance du recyclage, mais c'est aussi une façon de leur dire pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je travaille dans ce domaine, et pour leur montrer que travailler dans le secteur de l'environnement est également une opportunité pour eux à l'avenir. Et normalement, on les voit très excités, très enthousiastes à l'idée. Donc, nous organisons des séminaires sur le recyclage, mais en même temps, là où nous allons, dans les écoles, nous installons 10 à 20 boîtes de recyclage et nous leur disons que si jamais vous venez à l'école avec une boîte à recycler, vous allez avoir une bouteille réutilisable et nous les encourageons à déposer les bouteilles dans cette boîte beaucoup plus que dans la décharge ou dans la poubelle. Donc, on leur a expliqué le volume, les tonnes de déchets que nous avons pu récupérer à partir des écoles. Et pour rendre la chose plus excitante, nous organisons des programmes à travers des ateliers de recyclage et des exemples de tri à la source. Pour revenir à votre question, comment répliquer, comment copier-coller ce genre d'expérience ou de projet? D'abord, il est très cher de procéder à la collecte selon le système du porte-à-porte. Par exemple, en France, le salaire d'un employé est très bas par rapport à un employé ici dans la région, mais donc cela ne serait pas financièrement viable. Donc, pas besoin de faire du porte-à-porte. Dans certains pays, il n'est pas interdit par exemple, procéder à la collecte informelle des déchets. C'est le cas en Turquie peut-être, mais surtout en Afrique, où les gens peuvent collecter dans la rue les déchets qu'ils retrouvent. Devenir des collecteurs de déchets. Pour améliorer le niveau de vie de ces gens, nous pouvons leur donner les bons instruments pour qu'ils puissent collecter ces produits en plastique dans la rue. Je pense que c'est une question un peu controversée, mais en fait, ce faisant, nous leur donnerons accès à des meilleurs moyens de subsistance en leur donnant, par exemple, des gants, des masques, des chaussures appropriées, des sacs, et pour qu'ils puissent collecter ce matériel ou ces matériaux et qu'il n'ait pas à marcher pendant des heures pour trouver un vendeur de tels produits, mais qu'il puisse organiser ce système de vente contre une rémunération en espèces. Cela existe dans certains pays d'Afrique. Ce n'est pas une approche formalisée. Lorsque vous avez un outil numérique, c'est un moyen de lier les différents acteurs, les collecteurs informels, mais également les petites et moyennes entreprises qui souhaitent avoir davantage de matériaux recyclés. Vous venez de parler, des emplois, du travail, dans le domaine de l'environnement. Est-ce que l'économie circulaire peut créer des opportunités de travail et parvenir à une économie plus inclusive? Vous avez parlé de 1,2 milliard aux Émirats arabes unis grâce au secteur du recyclage. Est-il possible d'avoir une économie plus inclusive? Oui, inclusive, autrement dit, qui tient compte de la problématique homme-femme, qui regroupe des gens venant de tous les horizons. Évidemment, lorsque vous créez une économie circulaire, vous allez attirer des investisseurs qui auront l'argent nécessaire pour gérer les installations de recyclage. Mais ce sera toute une famille qui travaillera au service de cette installation. Il y aura quelqu'un qui va nettoyer le couloir dans cette installation. Il y aura également quelqu'un qui opère la machine, qui fait fonctionner la machine, quelqu'un qui se charge des questions d'ingénierie.
Et vous avez également le gestionnaire de cette installation de recyclage, donc toute une communauté et qui trouvera du travail pour gérer cette installation. Et nous parlons pas ici seulement de 10 individus, mais des centaines. Vous créerez en fait des centaines d'opportunités de travail à des gens au sein de cette communauté qui trouveront en fait de nouvelles chances, de nouvelles opportunités s'ouvrira à eux. Certes, le tri, les matières premières recyclées, l'économie circulaire vont créer des opportunités de travail inclusives. Dernière question. Quels sont certains mythes ou idées fausses concernant le recyclage que vous rencontrez? Et en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les gens doivent recycler? Très bonne question, question très pertinente. Lorsque nous avons commencé, dans chaque sac, nous retrouvions 70% de déchets non recyclables. Et ce chiffre a baissé avec le temps. Donc, 2 mois plus tard, les gens comprenaient la chose beaucoup mieux grâce aux messages qu'on leur envoyait, grâce aux explications de notre part. Et en fait, les conducteurs de camions, par exemple, étaient nos premiers ambassadeurs au sein de RICAP parce qu'ils refusaient de prendre les déchets non recyclables. Pourquoi n'est-il pas bon de mélanger les produits recyclables à de la nourriture? Il faut agir de manière convenable. Nous ne vous demandons pas de laver les produits, mais par exemple, vous pouvez retirer les résidus alimentaires qui se trouvent sur ces produits en utilisant un tissu ou par exemple. Évitez d'acheter également des produits à utilisation ou consommation unique parce qu'il est impossible de les recycler. Nous croyons faussement parfois qu'il est possible de tout recycler. Il y a une différence entre une région et une autre. Et vous avez également des programmes pilotes. Et dans les journaux, vous pouvez lire qu'il est possible, par exemple, de recycler tel ou tel produit. Oui, effectivement, dans un pays, mais pas partout. Par exemple, aux Émirats arabes unis, si vous jetez certains produits dans le carton à recyclage, il ne sera pas recyclé. Il faut savoir ce qu'il est possible de recycler. Et si vous n'êtes pas sûr qu'un produit est recyclable, ne le déposez pas, ne le jetez pas dans les boîtes à recyclage parce que vous allez rendre la vie des compagnies de recyclage plus difficile et vous contaminerez, vous polluerez d'autres produits qui étaient recyclables. Lorsque vous n'êtes pas sûr, en cas de doute, abstenez-vous. Grand merci, Jérôme. Je vais partager de nouveau le code QR de cette application mobile au cas où les participants avec nous souhaitent le scanner. Sur ce, je vous remercie grandement, Jérôme, d'avoir pris le temps de partager avec nous ces idées très importantes concernant le recyclage et la manière de transformer les déchets en une ressource économique à travers les campagnes de sensibilisation, les programmes éducatifs, le décyclage, le surcyclage, le supracyclage. Soyez des agents actifs au sein de vos communautés. Agissez dès à présent. Merci Jérôme. Restez avec nous pour notre séance suivante demain, la cinquième séance avec Shailendra Kaushik qui va nous montrer comment nous pouvons unir nos efforts pour un monde plus durable.